Non, je ne rage pas, je ne rage pas. Bonjour à tous, salut Twitch, salut YouTube, je suis Corbeau Joe, votre hôte pour cette session. Nous voici à l'épisode 8 sur l'expédition 8 étoiles polaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le jeu plantait, l'expédition n'est pas stable. Mon interaction avec un PNJ alien qui a un vaisseau écrasé. J'espère que le fait de ne pas avoir fixé la caméra avait coupé le son, je vérifie ça. Interaction avec un PNJ Non, c'est alien. bon, ça marchait quand même. Mon interaction avec un PNJ de mission en rapport avec un objectif d'étape de l'expédition était buggé. Voilà, sortir de la planète et revenir à refixer le PNJ, mais il s'est lancé dans une diatribe. J'étais parti dans une. Dans une. Comment on dit ça? J'étais à un colloque politique où le type allait me raconter sa vie pendant 1000 ans, quoi. Alors, déjà, est-ce que je peux rejoindre ma progression normalement? Vas-y, le jeu, tu peux le faire. Alors, je me retrouve à bord du Nexus et j'ai perdu ma mission, alors. C'est ça l'idée? Aïe 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 aïe. Est-ce que je peux pas plutôt recharger la sauvegarde, charger le point de restauration? 15h, 14h59. Alors je vous avoue que je sais même pas ce que c'est le point de restauration. 15h, c'est maintenant ça? Non, 15h04, 15h. Je ne sais pas. Avant, il y avait écrit manuel, renommer la sauvegarde. Non. Hein. Laquelle? Si, si, si. Non, bah écoutez, donc je suis sur la dernière sauvegarde. Est-ce que je peux relancer cette mission? Eh ben non. Voilà. Merci Hello Games. Donc autant j'avais profité d'un karma positif, où je trouvais un vaisseau à restaurer en même temps, ce qui me faisait remplir deux étapes d'un coup. Enfin une étape et un objectif perso d'un coup. Autant là, bah, merci Sean, une fois de plus, tu m'as bien baisé. Surtout que déterrer des os anciens, je déteste ça. Ça prend toujours 1000 ans. Vas-y, va bien te faire foutre. Je vais juste explorer. Et puis voilà, les nanites, je vais les faire petit à petit. Déterrer des os anciens, j'allais te le dire. Combien il m'en manque des nanites? Toujours 500 à peu près. En vrai, je vais me barrer de ce système, je pense. Tout simplement. J'y trouve pas mon compte. Oula. Oula là. J'ai cru, mais non. J'y ai cru, hein.
Mais non, c'est où? C'est compliqué, il y a un projet. Ah si. Bah écoute, merci le jeu, je suis vraiment déçu de pas avoir pu remplir l'étape de réparer un vaisseau en galère. Parce que j'avais pas envie de chercher pour le faire, donc c'est vachement cool, merci. Alors on se déplace avec ici, voilà. Itinéraire d'XP. Re ça. Alors, est-ce que c'est bien le quatrième point, ça? Oui, ça a l'air. Est-ce que je me fais un système de mon choix au passage? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Un 3 étoiles. Un petit 3 étoiles viking, pourquoi pas? Histoire de tomber sur le vaisseau de mes rêves, un jour. Ah, c'est vrai qu'il y a un système pirate à rejoindre. On va faire ça plutôt. Comme ça, on va abattre des pirates. On va en prendre plein la gueule. Alors, les pirates vikings. Peut-être que j'ai pas l'icône tête de mort. Si, si, j'avais déjà vu un système pirate au début. Ah bah voilà, oui. Là, il y a la tête de mort. Ok, c'est dans le conflit, cette tête de mort. Bon, ok, il y en avait un là. Ordinateur de distorsion temporelle requis. Aïe. Ah. Nenni cette pompe. Let's go. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver comme galère ici? Alors. Comment ça, j'ai déjà abattu un pirate? Ah bah oui. Ah oui, des gens qui m'attaquaient. Les autorités locales du système ont été remplacées par des forces criminelles. Les systèmes hors la loi permettent l'achat de biens du marché noir s'ils sont rentables ou inutilisables. Ouais. Ah, des pirates, des gens qui m'agressent. Ah. Et pas un système pirate, peut-être. Sinon, je vais prendre cher. J'en sais rien. Découvrons ça ensemble. J'ai fait de la merde. J'ai tiré sur des copains. C'est pas bien ça. Merde. Non, en fait, il me faut un système à... avec des conflits. Avec des gros conflits, quoi. Oh, elle a l'air chouette cette planète là. Et ouais, c'est pas un système pirate qu'il me faut. C'est un système où je me fais agresser. Bon, alors on va se rebarrer d'ici. Ah, qu'est pas ça. Ami bien content de la flotte, n'est-ce pas? La gloire du commerce et de la bataille vous réjouit, nous vous aiderons, laissez-nous participer. Ah, quoi? Inspecter la frégate.
D'accord, c'est la frégate, je suis con. Ok. Non, merci. Non, ce que je cherche, ce sont des vilains. Alors, il est où mon cargo? Il est là. Ah, j'étais bien positionné pour le slot du milieu ou celui de droite, et c'est le slot de gauche qui m'aggro. Allez comprendre. Bon, c'est pas un problème, mais bon. Bon, du coup, ça m'a niqué pas mal de carburant, ces conneries. Ah, 90, ouais. Je sais pas trop. Ici, ça m'a pris 10%. Ok, c'est ici. Voilà. Allô? Ah. Allô? Aïe, aïe, aïe. Très stable ce jeu, très stable. Pff, aïe, 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 aïe. Mais comment ne pas être ronchon? Comment ne... Oui, il y a un moment où j'ai quitté No Man's Sky, j'en avais marre que le... qu'on me supprime des choses à chaque fois qu'il y a des mises à jour, putain. Vas-y, c'est terrible. Oh là, putain. Incroyable. Oui, je sais. Je vais me téléporter à la station et revenir. Je reviens, Goodnight. Ouais, non. Ne reviens pas, soutien. Épargne-toi ça, oui. En tout cas, merci de prévenir. Alors, il est où le téléport? Oula. Mais attends, mais je suis où là? Ah, mais c'est pas mon cargo en fait. Ah d'accord, non, tout va bien en fait, je suis juste pas dans mon cargo quoi. Ok. Et bah autant pour moi alors. Ah je sais pas, moi il y avait une icône de cargo, j'ai cru que c'était le mien. Il est où le mien alors? Non, toujours pas. Alors, elle est où ma maison? Je vais m'écarter un peu. Alors, il y a deux symboles de cargo qui se rejoignent ou pas? Le mien, c'est celui qui est dans le losange ou pas? Bon, ça, c'est pas le mien. Mais il est où le mien?
Et ça a été mis à jour, ça, ou pas? Système de survie, contrôle commercial, défense de la station, pour liberté, liaison, demander la voie de la liberté. C'est quoi déjà ça? Glorieux survivant, l'étoile promise sera à toi. Vers, 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 vers. Ok. Bah, il est où le pirate? Repère des pirates, ça disait. J'ai pas halluciné quand même. C'était sur la planète alors. C'est ça le délire. Je vois aucune autre icône. Ok. Donc un repère de pirates sur la planète. Comment je repère ça, moi? Dans le smog, voilà comment tu repères ça. Super. Ok, je vais tenter de me poser. Enfin, je vais tenter de faire ça à pied. Que dalle. Super, serait-ce un bug? Je ne sais pas. Ok. Peut-être que je me suis pris le marchand à la place des pirates là. Peut-être qu'il y a eu le marchand en même temps et que ça a tout bloqué quoi. Truc de fou quand même, non? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça y est, on attaque les choses sérieuses là? Ah, ça fait plaisir. Alors c'était quoi le bouton? Voilà, je l'ai le bouton automatique, CL2. Ah,
sortir du cargo. Ouais, ça serait bien. Pas se retrouver bloqué comme une merde. C'est qu'il y a peut-être moyen de se choper les 8, hein. Tu veux rester de l'autre côté, c'est ça? Où il est? Ah, il est repassé de l'autre côté, cet enfoiré. Ok, j'ai pas le choix. Super. Hop. Et il part en vrille. Je crois pas en avoir détruit 8, hein. Je dois être à 6 ou un truc comme ça. Ah putain, il m'en manque un, les moules. Alors, en tout cas, j'ai assez de nanites. Je sais même pas comment je les ai faites. Ok. Il faudrait que je trouve un pirate de plus quand même. Bon, en tout cas, je peux aller au cargo. Pourquoi il me fallait toutes ces nanites? Oui, pour débloquer un escadron de plus. Je peux pas rejoindre le Bebop. Ah, ok. Il y a un effet de brouillard au sol là. Ok, stylé.
Est-ce qu'on peut recruter un pirate? Très bonne question. Butingek fade, putain le blaze. La petite créature ouvre et ferme lentement les yeux, l'air autour de nous change presque imperceptiblement, il fait claquer son bec. Qu'ai-je à proposer? Je peux pas le recruter, lui dire. Ok. Vas-y, j'ai pas le temps, je vais changer de système direct. Sauf si un vaisseau spawn tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah! Ok, je vais tester avec lui. Boukagek, Nutter. Ok, c'est non. Niveau de conflit inquiétant, c'est parfait ça. Alors. Ok, il n'y a pas la station actuelle. Ok. Par contre, je crois avoir entendu un vaisseau se poser. Oui, tiens, d'ailleurs, il y a un point vert. Il le signale auto. Mais non, mais il s'est posé sur une planète. Bon, ok. Intelligent bien, adresse au tir moyen, subtilité au-dessus de la moyenne.
Mémoire exceptionnelle. Allez. Étape terminée. Commandant stellaire, trois pilotes d'escadron recrutés. Des super améliots pour le vaisseau. Oui, il est beau le ciel. Ah, le dégradé entre le brun et le vert, c'est magnifique. Planète sans air. Florissante. Activité sentinelle intense. Planète gelée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Marécage sans fin. Est-ce qu'il y en a une cachée? Ah, il y a une lune aussi, oui. Lune stérile. Voilà, je les ai toutes faites, hein. Florissante. Ouais. Ok, je les ai toutes faites. Non, j'en ai loupé une. Elle est là. Ardente. Ok. Allez, go la station. Chercher une mission de pirate. Et comme ça, on aura validé. Comment on appelle ça d'ailleurs? Une phase. La phase 3. Allez, je vais quand même checker le flingue. On sait jamais. Peut-être qu'il déchire. Ah, c'est un alien, non? Ah non. Il y a beaucoup de bleu, non? Ah, il n'y a pas de bleu. Il est pas mal, hein. On classe ça déjà. Brun et gris avec du jaune. Jaune et blanc. Pas mal en vrai. C'est pas mal. Ça rend pas du tout pareil à la lumière du jour, mais. Fin du jour. Alors, l'agent de mission, c'est lui, hein. Attendez, j'ai un peu de trucs à vendre. Pas que ce soit important, mais ça fera toujours un peu de place. Voilà. Composant. Eh mais non, le composant de vaisseau, non, je le garde le composant. Va peut-être me servir plus tard. Moins 10, aïe aïe. Bon, tant pis. Vas-y. T'as pas un pirate dans le coin, toi? Sinon, je vois Nexus, hein. Chasser les pirates de faible niveau, tiens, parfait. Allez, ça part de là. Ah non, tout va bien. Ok. Allez, ben la phase 3,
fin de la phase 3. Je vais pas dire que ça a été laborieux, mais c'est assez chiant tout ça en vrai. Même si je l'avais chillé tout ça, ça aurait été quand même un peu chiant, je pense. 30 secondes, ok. Allez, c'est reparti comme tout à l'heure. On se fait chier. On se fait chier. Même si je le faisais en manuel, on se ferait chier. Hein. On se ferait même plus chier encore. Et lui, non? Encore? Non, c'est bon là. Si, encore? Oh là là. Relais dit. C'est une simulation de guerre. Il se passe rien en fait, c'est chiant possible. Oh là là. C'est bon ou c'est pas bon? Ah super, allez je me casse. Ah, je vais rendre la quête pour le plaisir. Et donc je viens de finir la phase 3. Sachant que j'ai déjà des objectifs des prochaines étapes qui sont déjà remplis. Ça devrait aller vite. J'espère. C'est fou de dire ça d'un jeu qu'on aime quand même. J'espère vite finir la partie. Putain. Bref. No Man's Sky, ça aurait été un petit peu mon MMO. Vous savez, le MMO auquel on joue pendant
pendant des années et des années et qu'on voit péricliter le truc. Allez, tiens, je te rends ta mission, toi. Bim, elle est où? Elle est là. Allez, impeccable. Tuer, rapporter. Un peu de monnaie. Et Ayon, donc. c'est un MMO. Aïon, ouais, je connais de nom, ça, ouais. Oula. C'est tout pour le vaisseau, ça. Si je dis pas de bêtises, oui. Hein. Des plans, hein. Ok. Balise de flotte. C'est quoi ça, balise de flotte? C'est un truc pour les frégates, j'imagine. Balise de flotte, balise de flotte. Bon, ça, je vais le vendre. Balise de flotte. Pff, je le vois pas. Je ne le vois pas. Aïon. C'est un MMO japonais, non? Avec des lolis et tout, avec des. Avec des petites couettes et tout. Techno dans un état critique, et bah tant pis. Hein. Alors, j'ai récupéré des plans archives de navigation, baril flamboyant, et je sais pas. Ah, ça y est, balise de flotte. Ah, un petit peu des éléments de base, de décoration de base. Bon, voilà, la phase 3 terminée. Maintenant, retour au cargo. Lire le journal du capitaine. Ah, c'est la base numéro 9? Ah, c'est bon ça. Alors, vendre. Je crois que j'ai une connerie à vendre. Paquet suspect, voilà. Contrebande, 61 000. Impeccable. Je crois pas avoir autre chose à vendre. Non. Alors, elle est où cette balise? Balise. Bon, ça, je vais tout mettre dans le vaisseau. Elle est où cette fichue balise? Balise. C'était peut-être juste un plan. Du coup, c'est pas ici que je peux l'installer. Ici, j'ai plus de place, donc c'est super. Multi-outils, y a rien non plus. Ah, j'ai une techno que je peux installer là. Et il me faut un hyper noyau. Ce serait bien de pouvoir le faire. Alors, il me faut. Ah, juste une antimatière. Hop, un hyper noyau. Hop, et maintenant je peux faire. Ah, l'écorce stellaire rouge, impeccable. J'en aurais certainement besoin, je suis sûr. Hop là. Superbe. Non, mais c'est bon. Comment ça? Il manque un truc? Ah. Putain, j'avais pas fini l'installation. Hop là, je le mets ici. Ok. Ça, c'est très cool de l'avoir fait. Checker ce qu'il y a en face, je m'en tape. Retour à bord du cargo. Ah oui, d'accord, j'arrive à lire à travers le mur. Alors, petite sauvegarde manuelle. Génial. Quelle heure il est? Non, si, 15h49. Donc, qu'est-ce que c'est ça là?
La sauvegarde de restauration. Oui, d'accord, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu dis, Igjord? Le maître du cargo est au repos, attendant les instructions. Enclencher le moteur, non. Accéder au journal du vaisseau. Horodatage, beaucoup de chiffres arrivés dans le système Yangfiero. Tandis que nous franchissons une nouvelle frontière de secteur, nous nous laissons aller à repenser à notre tout premier départ. Donc, séquence nostalgie. Notre propre maison s'est retournée contre nous. Ah, trahison. Nous avons appris ce dont elle n'était pas capable, sa gravité, son cœur en fusion, sa lente décomposition vers une apocalypse indifférente. Notre flotte de fortune était inachevée, trop peu de capsules ont été chargées, l'onde de choc a consumé ce qui était toujours en orbite basse et dispersé les autres dans l'espace. Le feu, le chaos, là. Pas de retour en arrière. Très bien. Merci pour ton lore, bro. C'est toi le meilleur. Ok, alors. Amélioration puissante de l'oxygène sous-marin, gel de survie, peinture verte de personnalisation du cargo. Magnifique. Voilà, sublime. Ah, des modules de protection sous-marine, j'en rêvais. Ok. Est-ce que je peux tout mettre au vaisseau? Oui. Oui. Super. Atteindre le quatrième point de rendez-vous. Restaurer un vaisseau accidenté. Ça serait super, ça. Ok, c'est presque fini, hein, ces conneries. Il va me rester une connerie ou deux, un peu chiantes. Ok, itinéraire de l'expédition. Oui, c'est où? C'est à cause du soleil qu'il y a sur ma télé que je vois pas le trait ou quoi? Ah mais je suis con, il y a un point de rendez-vous à rejoindre là. C'est moi qui suis con. Hop là. Il est où le vaisseau? Il est là. Ok, let's go. Est-ce qu'on en parle de la couleur de... couleur de mes putain j'ai pas le terme mais de l'asset graphique de mes piou-piou là hein. Blanc et vert sur un vaisseau or et noir quoi. Non on va pas en parler. Ils ont pas le temps chez Hello Games je vous dis, ils sont en train de faire un deuxième jeu là en même temps. Alors. On va gentiment se poser là et chercher le point de rendez-vous. Oh, atterrissage à plat, ça fait plaisir. On laisse le jeu respirer 2 minutes. Ah, d'accord, ok. Encore un bail aquatique. Wow, 7 minutes, ça fait long. Voilà, je reprends pas le sous-marin, moi. C'est l'enfer. Ah, mais si, je reprends le sous-marin comme ça, j'essaye de détecter une épave.
Est-ce que je peux le faire popper? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Il a dit oui. What, la balle? Alors, comment on fait pour lancer une recherche? Ah, il me faudrait l'équipement, le sonar, je pense. Faut que j'équipe un sonar. Putain, si je peux le faire, c'est trop cool. Ah, il me faut un miroir. Comment ça, dégâts? Ah oui, je me suis posé juste à côté d'un truc de merde. Il me faut un miroir. Vous allez voir que je peux pas le faire. Putain, j'hallucine. Miroir solaire. Putain, j'ai même pas le plan. Je n'ai même pas le plan du miroir solaire. Terrible déconvenue. Et j'en ai même pas un sur le cargo, genre. Ah, par contre, j'ai ça. Je peux l'équiper. Je vais l'équiper, ça. J'ai rien en cargaison. Et non, je l'ai pas. Et donc, je peux pas construire de miroir solaire, c'est ouf. Alors, par contre, je peux l'installer, ce que j'ai là. Ah non, c'est respiration en eau profonde. Oui, allez, pourquoi pas. Ah, je pensais que c'était pour le sous-marin. Bon. Oui, non, je m'en fous. C'est très bien comme ça. À la limite, comme ça. Voilà. Ok. Si j'en ai marre du sous-marin, je pourrais toujours. Bon, je vais faire le quatrième point de rendez-vous. Je pourrais toujours y aller à patte. 2 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut me raconter sa vie pendant 2 minutes, là, c'est le moment. Allez, fais-moi rêver, Lady. T'as cuisiné quoi aujourd'hui? Vu que c'est repos, t'as pas cuisiné. La dernière fois, on avait droit à des petites meringues. Petites meringues maison. Miam, miam, miam. Il est où le point? Ah, ça y est, j'ai perdu. Ah, je me suis encore perdu. Super. Je crois que j'ai encore perdu le point, comme la dernière fois. Oh, c'est quoi ça? Non, mais je suis sûr que je suis encore en train de me paumer. C'est sûr. Ah, je suis peut-être au bon endroit là. Allez, cargo. Ah, ça serait super, oui. S'il te plaît. Ah, génial. Cette chatte. Génial. Allez, je me casse. Au secours. Il est où mon vaisseau? Il est là-bas. Allez, s'il te plaît, Lady, fais-moi rêver, j'ai pas bouffé encore aujourd'hui. Oh, tu veux pas exciter mes papilles? Ouh là là.
Alors, j'ai soit la possibilité d'acheter un diagramme planétaire au cartographe pour trouver une épave, soit donc je prends mon sous-marin et pour ça il faut que je fasse un miroir solaire. Ouais. Alors, j'ai même pas le plan du miroir solaire. Est-ce que je peux le choper tout simplement? Hey, j'ai tout ce qu'il faut pour en faire un, ça tombe bien. Ok. Super, je crois qu'il m'en fallait qu'un. Hein. Bah, j'espère en tout cas. On va se la tenter comme ça, hein. En direct, sans demander l'aide de quelqu'un, quoi. Tente un move, hein. Voilà ce que je fais. J'espère que c'était bien celle-là où j'étais, où il y avait de l'eau. Normalement oui, hein, elle est en face. Ouais, il y a un type qui a appelé Crater Lake, sa base, donc ça devrait être bon. Putain, j'arrête pas de penser à la bouffe, quoi. Manger, 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 manger. De l'eau, je cherche de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Si. Yes. Impeccable. J'ai bien fait de garder les cristaux de sulfure. Hop là. Et donc maintenant, je suis censé pouvoir lancer une recherche d'épave avec mon sonar. Tiens. Vaisseau submergé, cargo écrasé, bâtiment submergé, ruine submergée. Ah. Elle est où l'icône? Ah, j'ai pas vu l'icône. À proximité. Où ça? Ah, aucun bâtiment à proximité. Ok.
Thank you.
Utilisateur identifié, terminal activé, déverrouillage du journal de bord pour analyse. On aurait dit une blessure sur le monde rouge et déchiré comme un être autrefois vivant ayant été déchiqueté, j'aurais dû rester à l'écart. Si j'avais songé à goûter à l'air de cette planète, j'y aurais probablement senti une fétidité extraterrestre, mais rien ne pouvait stopper ma curiosité. Était-il mort? Lorsque je le touchais, la surface était humide et molle. Il semblait alors se mouvoir, ramper sur un tapis de cils lents, s'éloigner de moi. J'aurais dû le laisser tranquille. Ok, j'ai gagné un peu de sodium, super. Alors, vu que j'ai le soleil en plein dans la théologie, voire rien, me dites pas que c'est ça que je devais trouver quand même. Si? Crash de cargo. Toujours pas bon. Crash de cargo. Où est-il? Où est-il? Le crash de cargo. Ça? Ouais. Un journal endommagé, rapport partiel disponible. Oh, d'attache beaucoup de chiffres. Mon amour, je plonge dans un trou noir demain. Je sais que nous nous étions mis d'accord de ne pas. Oh, d'attache de beaucoup de chiffres, je les ai avertis du risque qu'un si grand vaisseau franchisse la faille, mais ce sont des créatures si arrogantes, superficielles. Nous avons émergé dans le ciel au-dessus de l'anomalie 2. La réalité elle-même a abandonné ce lieu de vastes hexagones.
pollue le paysage de cette planète autrefois fière des hommes et rien de plus que le jouet de nos ennemis invisibles, je crains de ne pouvoir rentrer à temps pour. Nous avons bu l'eau, mon amour, pardonne-moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, bâtiment encore, chier. J'espère que je suis sur la bonne cartographie par contre. Oh, les frégates qui pop. Trop stylé. Il est où le Léviathan? Ah mais il n'y a pas les miennes en fait. Ouais. Bla 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 bla. Merci. Vous allez voir que mon dernier diagramme ne va pas marcher. Allez, donne-moi un vaisseau abandonné, s'il te plaît. Quoi, le cargo? Encore le cargo? Oh, c'est le même en plus, non? Terrible. Aïe. Ah oui, c'est le même. Oh, quel enfer.
Allez, retour à la station. Pour de nouveau acheter des cartographies. Enfin, je fais ça, mais je suis sûr qu'il y a un meilleur moyen de le faire, genre peut-être avec le vagabond ou un truc comme ça. Utiliser une cartographie spéciale, comme avec le sous-marin en fait. Et je me vois pas passer des plombes à faire ça à l'aveugle dans le sous-marin. Les mains jointes, la tête tournée vers le ciel. Alors ça s'achète avec quoi les diagrammes? C'est pas clair hein, pour échanger, mais ah, les données de navigation, moi, je dois pas en avoir beaucoup. Hein. Si? Données récupérées, c'est pas ça. Hein. Données de navigation. Ah, il m'en reste que deux. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que je change? Commercial, non? Secrète. Un site d'intérêt sécurisé a été indiqué. Calculer un itinéraire. Signal de détresse, non, c'est ça, ouais. Avant-poste habité. Artefact ancien. Ah bon, j'ai pu en prendre 3 là. 4, 5. Ah, 6, d'accord, je devais en avoir deux côtés. Bon, on va se faire ça, hein. Ah mais il va me faire le coup à chaque fois en fait. C'est un truc de ouf. En plus c'est le même que tout à l'heure. Non, sans déconner. Il me semble bien que j'y suis venu sur cette lune tout à l'heure. Hop là! Non, peut-être pas alors. Si, hein. Ici c'est le même endroit que tout à l'heure. Et il va pas encore me faire le truc en boucle, hein, genre le cargo et tout. Oh, putain, quel enfer. C'est le même bâtiment que tout à l'heure. On va peut-être changer de système. Puis après j'arrêterai, j'ai trop faim. C'est-à-dire, je serai obligé de revenir dans les 2 jours. Terrible. Toute façon, le point de rendez-vous, il a été trouvé.
Peut-être que si je lance un scanner de signaux, il me faudra un nanotube. Non, mais le scanner n'a jamais trouvé de. Enfin, je crois pas. Un nanotube, hop. Un scanner de signaux, hop. Localiser les structures proches, non, c'est pas ça qu'il me faut. Balise de détresse, ouais, peut-être. En vrai, pourquoi pas? C'est assez explicite. Ah putain, il était juste là. Incroyable. C'est marqué en plus par tout plein de types, c'est ouf. Et le vaisseau est pas mal en plus. Hein. Folie de Gaïas. Gaïas. Alors, ouf, il y a un paquet de trucs à réparer. Hein. Alors, il me faut un seau hermétique. Ah, il y a mille trucs que je vais pas pouvoir faire, je suis sûr. Eh ben vas-y, répare-le. C'est quoi le problème? Ah ok, faut d'abord que je parle à quelqu'un ou... Là? Je grimpe à bord du cargo et je trouve sa boîte noire. Ah bon? Dès que je la touche, une image holographique représentant un marchand reptilien paniqué apparaît. Il s'agit peut-être d'un message à destination de son supérieur ou d'un proche. Il est impossible d'en savoir plus puisque l'enregistrement est tristement silencieux. Dans ces derniers instants, le marchand semblait désigner une technologie récemment installée sur son vaisseau avant de tomber à genoux désespéré. Inspecter la technologie de vaisseau récemment installée et chercher des marchandises. Je découvre la techno mal installée qui a provoqué le crash, je scanne son plan et je peux maintenant le développer moi-même. Le fameux récepteur de téléportation qui ne sert à rien, c'est de la merde. Sauf si bien sûr ça a été amélioré. Alors, je peux te réparer ou pas? Pourquoi je peux pas te réparer? Ah, faut que je le revendique d'abord, quel con. Réclamer le vaisseau. Oui, il n'y a rien qui va dessus, oui, je sais. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Installer techno ou non? Je vais réparer le pulseau. Voilà, réparer le décolleur. Le propulseur. Réparer le bouclier. Impec. Réparer les trucs primordiaux. Hein. Bon, bah, le canon, si tu veux. Ah, j'ai pas assez. Mais me dites pas qu'il va falloir que je répare tout ça là, par contre. Cargaison, on s'en fout, c'est juste les technos. Me fais pas péter un plomb, quoi. Qu'est-ce que j'ai que je peux réparer? Dégâts hydrauliques, tiens. Fracture de coque. Ah, il va me falloir un paquet de trucs, dis donc. Du pignum, du paraffinum. Cuivre activé, je peux peut-être faire ça. Combien il en fallait? 75. Non, non, mais c'est pas du métal que je veux faire.
Non, j'ai rien dit. Non. Et cuivre activé? Comment ça se fait ça déjà? Bordel, je me rappelle pas du tout moi. Cuivre activé. Bah merde. Cuivre activé, cuivre activé. Catalogue, matériaux. Cuivre activé. Ah putain, ça se récolte. Les étoiles jaunes. Aïe aïe aïe, ça se récolte ça. Je crois que c'est un truc qui se récolte. Je me rappelle plus. Je peux installer le gant ou pas? Oui, super. Comme ça, c'est fait. Faudrait plus d'argent. Bon, ok, Joseph. Donc là, je vais placer ma balise. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je l'ai réparé? Ah, si c'est bon, c'est super, hein. Ah, super. Ah, fallait juste le revendiquer. Si, et le restaurer, c'est écrit. Impec, je vais pouvoir me barrer. Ah, on était parti dans un délire. Plan de membrane d'aération, plan de jet d'eau efficace, amélioration ultime pour le système de survie. Sympa la photo là. Ok. Non mais vas-y, donne-moi le truc. Je l'ai récupéré là. Cap de commandement de flotte. Et 1800 vif argent. Ah, j'ai eu peur. C'est à cause de ces putains de messages encore. Ok, donc une cape, super. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben là faut que je rejoigne le dernier point. Allez, ben je me casse, hein. Petite sauvegarde. Ah, il n'y a pas de point de sauvegarde ici. J'avais vu l'icône du cargo là, elle a dépop. Ah, elle est là.
Why? Je pensais que ça passait. Ah ok, je peux y aller direct. Magnifique. Alors, accéder au journal du vaisseau. Nous continuons donc à avancer, à chercher. Il existe une infinité de mondes, mais nous n'avons qu'une seule maison. Nous sommes disséminés, mais nous sommes entiers. Les autres sont là quelque part. Chaque disto, chaque scan, chaque signal analysé. Les chances sont faibles, mais pas nulles. Ok. Répéteur de planète d'origine. Peinture, amélioration d'hyperpropulsion. Ok. Peinture orange, c'est cool. Répéteur, je sais pas ce que c'est ce répéteur là. Cloison pour cargo, emplacement d'extension, quoi? Du multi. Pour le flingue. Ah, flingue de vaisseau. Ok. Pourquoi je peux pas l'installer? Un circuit d'amélioration flexible compatible avec tous les multi-outils personnels. Attends, je comprends plus rien. Ok. Pourquoi je peux pas l'installer nulle part, ça? Chelou. Bon. Allez, atteindre le dernier point de rendez-vous. Ah, la fondation SCP, c'est une blague. Alors, la fondation SCP, en fait, c'est un truc qui est apparu sur Reddit il y a une dizaine d'années ou un truc comme ça, qui part d'un topic ou je sais plus, d'un forum. Oui, je crois que sur Reddit on dit un forum. Salut, soutien. Alors soutien, tiens, tu fais bien de tomber là, peut-être que je vais te parler d'un truc qui t'inspirera. Tu vois, là je viens d'arriver en face d'une planète où le type a posé sa base, il l'a appelée SCP Fondation. Et j'avais vu une vidéo qui parlait de ça et ça m'avait tellement perché que j'en étais arrivé à partir dans de la création perso dans mon coin, à gratter du papier, à inventer des trucs. Est-ce que je peux vous résumer ça vite fait? Donc je disais, c'est sur Reddit que c'est apparu il y a une dizaine d'années. À l'origine, il y a un type qui a inventé une histoire et qui a posté une photo d'un artworks où il expliquait en fait qu'il y avait pas un complot, mais qu'il y avait
un institut ou enfin en tout cas une entité au sens de une entreprise ou je sais pas un conglomérat quelconque qui en fait caché à la face du monde dans un endroit secret une créature pas de notre monde. Un peu chelou, un peu sale, qui ressemblerait à une sorte de pampa dans les jeux Squaresoft, une espèce de cactus. Cette forme un peu de forme de cachet, vous voyez, une gélule de cachet, mais plus grande, qui ferait Je connais peut-être. de mode, il y a un mode de jeu comme cela. Je connais deux Gmod, il y a un mode de jeu comme cela. Alors, c'est pas un jeu, hein. En fait, ça part d'un type qui a inventé une histoire. Et donc, je finis. Donc en fait, ce serait une espèce de bestiole qui aurait été enfermée dans une cellule capitonnée sous contrôle, sous bonne garde, de cette bestiole qui ressemble à un pampa avec deux yeux noirs à la con, un peu en forme de gélule elle aussi, et en fait un peu craturelle, dans une pièce toute bétonnée, hein, classique, comme on utiliserait pour entreposer, je sais pas, un T-Rex, vous voyez, un enclos de T-Rex, c'est tout en béton aussi, bah là c'est pareil. Mais là, c'est fermé, quoi. C'est pas à ciel ouvert. On sent bien que c'est un truc souterrain, ou en tout cas dans un bâtiment. Et cette bestiole avec aurait le pouvoir incroyable que. En fait, je crois, c'est si tu cesses de la regarder. Si tu cesses de la. Vas-y, tais-toi le jeu. Si tu cesses de la regarder. En fait, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui la regarde, sinon elle disparaît et elle te dévore d'une façon atroce ou. Un truc incroyable. Est-ce que c'est pas perchant de se dire qu'il y a dans notre monde une bestiole sous contrôle qui pourrait absolument annihiler l'espèce humaine dans un laps de temps hyper court, une bestiole qui. Violerait les lois temporelles de notre univers. Parce que tu la quittes des yeux et hop, instantanément t'es complètement. Tu as disparu quoi. T'as été dévoré, je sais plus de quelle manière exactement. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui la garde en vue. Et de cette légende, cette mythologie inventée par ce type, a découlé toute une flopée de récits plus science-fiction les uns que les autres, des histoires incroyables. Et ça a tellement pris de passion les gens qui se sont pointés sur ce forum de Reddit en disant il y a eu un nombre incroyable d'histoires qui ont été pondues et même ça a été hiérarchisé, je veux dire ça a tellement enflammé les esprits et les cœurs qui sont les mecs ont poussé le vice à enfin les mecs les meufs à pousser le lore à base d'artworks, de codes qui régissent. Ils ont inventé les paliers de niveau de sécurité avec. Ils ont structuré ça de manière à ce que toutes les personnes qui auraient envie d'inventer des histoires en partant de ce postulat de fondation SCP, donc qui protège le monde entier de toutes ces créatures qui envahissent notre monde, un peu à la manière de ce qu'on pourrait voir dans Men in Black. Donc que tout le monde puisse créer quelque chose de logique, qui est une espèce de cohérence globale. Donc des niveaux de paliers de sécurité avec des entités, des créatures de plus en plus incroyables qui transportent. Mais des trucs perchants, quoi. On parle pas juste d'une bête qui t'attaque ou qui t'attaque pas. Il peut y avoir des trucs complètement perchants. Moi, et du coup, je me suis retrouvé toute une soirée à gratter du papier, quoi. Après avoir vu cette vidéo. Cette vidéo incroyable de Mythologix, je crois il s'appelle le type, qui fait des vidéos superbes, tellement bien fait, foutues. Je conseille à n'importe qui passe à ce moment-là de ma vidéo et qui m'écoute raconter mes conneries d'aller voir directement la vidéo sur SCP Foundation. Eh ben putain! Alors, il est où ce quatrième point de rendez-vous? J'espère qu'il est bien sur cette planète.
Ouais, Mythologix, le youtubeur. En tout cas, la série de vidéos. Alors. Ouais, atteindre le dernier point de rendez-vous. Ah, je dois pas être sur la bonne planète. Non, apparemment non. Tant pis. Elle avait l'air jolie celle-ci. Des beaux feuillus un peu jaune-orangé. Ça avait l'air mignon tout plein, bon. Ouais, moi personnellement j'avais pondu deux histoires. Franchement j'étais comme un fou, hein. J'ai gratté du papier pendant plusieurs heures. Non c'est non. Non c'est non la scanographie. Arrête tes conneries, putain de merde. Quel enfer. Allez, j'ai faim moi, laisse-moi finir l'expédition, vilain pirate. Allez, dégommez-moi le. Oh, il avait l'air bien ton vaisseau, toi. C'est pas la bonne couleur, mais il avait l'air bien. Du coup, est-ce qu'on parlait de la même chose, soutien? Parce que je t'ai botté en touche, mais si ça se trouve, t'avais vraiment un jeu vidéo qui parlait de la fondation SCP, c'est possible ça? Ah non, c'est aquatique. Putain. Bon, saoulé, hein. L'expédition s'appelle Étoile Polaire, J'ai eu 3 points de rendez-vous aquatique, quoi. Allez, j'y vais à pied. Hein. À la foutre. Complètement useless. Ah si, ça réverbère un peu. D'accord. Ah, du coup, Soussou, il s'est barré. Je lui ai dit que c'était pas un jeu, il s'est barré. Alors, truc de dingue, hein, ça éclaire mieux sous l'eau, de nuit. Ah mais il commence à faire jour, mais il me semble bien que ça éclairait mieux mieux que dans n'importe quelle grotte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça éclaire mieux que dans n'importe quelle grotte. Truc de ouf. T'es parti, Soussou?
c'est super beau. Allez, bingo! En plus, ils s'amusent à chaque fois à nous mettre super loin de... Juste ce qu'il faut de distance d'un îlot pour que ça soit chiant, quoi. Bon, en tout cas, c'est jamais juste à côté d'un îlot, quoi. Systématiquement un peu chiant. Waouh, cette façade plate là, ça c'est ouf, hein. Magnifique. Ok, on va pouvoir faire popper le vaisseau. Propulse. Non, je ne vais pas pouvoir faire popper le vaisseau apparemment. Ah, heureusement j'en ai un autre. Ah oui, mais qui ne décolle pas. Ah ouais, super. J'ai le vaisseau à sec donc je peux pas l'appeler. Génial. Alors il est où? Il est là-bas. Oh le con. Ah, tempête de feu en plus. Magnifique. Là, total. GG. Merci. Ah, un vaisseau submergé. Il est où? Il est loin? Oh, 4 minutes 51.
module de frégate, emplacement d'inventaire, emplacement de multi, cloison pour cargo, un max de nanite. Hop. Établir le contact. Établir le contact avec les hôtes nous donnera le plan de moteur de singularité pour l'étape d'après. Alors, l'équipage du cargo a assemblé un diffuseur de fortune, bricolé à partir de composants électroniques récupérés et conservés en lieu sûr pendant de nombreuses années. Cet enchevêtrement de cap tentera d'entrer en contact avec les derniers vestiges connus de la planète d'origine du cargo. Localisez l'appareil dans votre inventaire, puis sélectionnez diffuser pour commencer le processus de localisation. Let's go! Il est où? Il est où cet appareil? Bon, en tout cas, ça je peux l'installer. Bim! Je respirerai mieux. Je le vois pas cet appareil. Ah, il y avait ça tout à l'heure. Ah, bah c'est ça. Super. Alors. Let's go. Diffuser. Un appareil de fortune bricolé à partir de composants. C'est la même chose, ok. Et ça ne marche pas. Ça ne fait aucun son. Établir le contact. Ça ne marche pas. Est-ce que j'ai un accès direct ici? Appeler le cargo, appeler l'escadron, congédier le cargo, dévier l'analyse de la cargaison. Ah, c'est pas mal ça. Pour les systèmes pirates, comptoir commerciaux. Bah non, mais c'est ça. Hein. Je suis peut-être trop près de la planète encore. Ça doit aller maintenant. Diffuser. Ça ne marche pas. Petit bug, je pense. Petit bug. Ah. Ah, bah merde. Ah, fallait le faire pendant que... Ok. C'est beau ce truc. Alors, j'ai suivi le signal jusqu'à cet énorme vaisseau, un radeau de sauvetage interstellaire à la dérive depuis le cataclysme qui a détruit sa planète d'origine. Tentez d'établir le contact. Tenter de faire une photo en fait. Pas de réponse. J'essaie les canaux les uns après les autres à la recherche d'un signal de vie. Enfin, j'entends un signal parmi les grésillements. La gravité nous a divisés et elle nous rassemblera. Il existe un chemin. Le message se répète en boucle. Inlassablement, ce fut leur dernière diffusion. Les mots sont accompagnés de ce qui ressemble au plan d'une sorte de technologie. Récupérez les plans. Je ne sais pas quel destin a rencontré ce radeau de sauvetage, combien de temps, ni jusqu'où il a voyagé cet appareil, quel qu'il soit, était leur guide, leur phare dans la nuit. Je ne sais que dire à l'équipage. Un élément instable et hautement... Je regarderai ça plus tard, laissez-moi faire ma photo... Du seul truc de qui pourrait ressembler à une photo potable, je pense, pendant cette expé.
Enfin, je suis jamais centré. Presque centré. Loupé. Oh putain, lentille Dyson. Pas centré. Centré. Hop.
Et je suis de retour. Ça y est, je pense que j'ai ma miniature, j'en suis plutôt content. C'est cool. Je trouve qu'elle est pas mal. Ah, alors, je suis censé y retourner en fait. Et lancer le bordel. Le radeau de sauvetage. Installer le moteur de singularité. Ah là, je vais me le bouffer par contre. Hop, calmos. Voilà. Alors, installer le moteur de singularité, je l'installe où? Ici? Eh non. Dans le vaisseau. Je sais pas, je peux pas. Mais je pense pas, hein. Non. Dans le cargo, non? Oui. Moteur de singularité, propulseur de trou de ver, un élément instable et hautement expérimental de technologie d'hyperpropulsion de cargo. Cet appareil à gravitation extrême génère un trou de ver au cœur de réacteur du car au cœur du réacteur du cargo pour retourner le vaisseau tout entier et lui faire traverser l'univers. Parlez au commandant de cargo pour enclencher la propulsion. Attention, la destination n'est pas contrôlable. Il me faut un hyper noyau et trois cristaux de sulfure. Aïe aïe aïe. Alors, un hyper noyau, peut-être. Peut-être, 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 je peux faire ça. Avec. Il me faut un miroir solaire, non? Il me faut un cristal tempête. C'est la merde, hein. J'étais à dodo d'y arriver. Un cristal tempête et. Ouais. La casse ses couilles. Pour un cristal tempête. Pour faire un hyper noyau. Et. Il me faudra. Deux cristaux de sulfure. La planète où j'étais, où il y avait le point de rendez-vous, c'était. C'était laquelle? Celle-là? Ondebris? Bon, je crois plutôt que c'était celle-là. Bon, bref. Je vais sauvegarder, je vais arrêter là. En espérant pas faire une connerie. Cuivre paraffiné. Moi, je sens que je vais faire une connerie si j'arrête. Aïe aïe aïe. J'ai peur de jamais relancer la partie. Cristal tempête. Bah attends, j'ai un truc à récupérer déjà. Plan de moteur de singularité. Plus que ça à faire. Il manque juste à pas avoir la flemme de trouver deux cristaux de sulfure et un cristal tempête. Mais le cristal tempête, ça va être chaud, hein. Si tu sais pas où tu vas, cristal tempête, compliqué, hein. C'était ça la planète, je crois, je pense. Ou peut-être pas. Bon, bref. Oh, ça c'est beau. Eh ben, je vais spotter au milieu. Si je peux. Pas tout de suite. Voilà, peut-être maintenant. Une planète à aberration chromatique. Pas mal. Wow! Ah, j'ai jamais réussi à l'avoir. Dommage. Il va repoper cet enfoiré. Vite. Ah, je l'ai jamais eu. Dommage. Ça m'aurait fait un bel achievement.
Franchement, peu de chance de trouver des cristaux de sulfure dans un mini lac, mais je vais tenter quand même. Aïe, ah, le poteau, bien joué. Est-ce que ça serait pas des cristaux de sulfure ça? Ouah, la flotte est super belle en plus, le dégradé est génial. Ah non, des pas lourdes. Et la planète où j'étais avant, ça en était gavé quoi. Putain, il aurait suffi que j'en prenne deux et c'était réglé. Alors, petits cristaux de sulfure, non? Non, hein. Je sens que non. Je sens que je me suis fait éloguemiciser. Ah, se dégrader quoi. C'est vraiment une planète qui en vaut la peine, ça. Hein. Ciel rose. Putain, incroyable, hein. Elle est découverte déjà, celle-ci? Découvert par le game, ça, ouais. Ils sont pas fait chier. Je sais pas si j'avais déjà vu une alliance chromatique pareille. Incroyable. Terre noire, neige, ciel rose, dégradé dans l'eau. Incroyable. En tout cas, c'est pas la planète qu'il me faut pour avoir des cristaux de sulfure. Des cristaux de tempête, casse les couilles, quoi. J'imagine qu'il doit y avoir ça dans le système. Ils n'obligeraient pas les gens, les joueurs à revenir en arrière. Ça ne se fait pas. Alors. Est-ce que c'est celle-ci? Celle où il y avait le point de rendez-vous. Ah putain, si j'avais été attentif, dernier point de rendez-vous, je me rappelle pas où c'était. Découvert par Dolphin. Non, le point de rendez-vous, elle a dû être découvert par Hello Game, c'est sûr. Ça doit être l'autre là-bas. It New. Planète tempérée. Répugnant gelée. Ah non, hop là. C'est l'autre là-bas. Et Otis. Elle est même pas découverte par Hello Game ça. Bon, ça là, je suis sûr de trouver les cristaux de sulfure. Alors, par contre, les cristaux tempête, ça va être chaud. Cristal tempête minéraux activés. Cristal tempête minéraux activés. C'est-à-dire ça. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Tu parles en charade maintenant? T'es trop fatigué. Mais déjà merci hein, si t'as fait l'effort de prendre ton tel pour me donner une info que tu croyais importante. Mec, merci hein. Et ce qu'il y a, quel qu'il soit, le cristal tempête. Minéral actif ou pas, il va falloir que je trouve une planète où il y a des tempêtes. Cuivre activé ou indien activé. Quoi, t'es en train de me... Putain, il me parle en... C'est un homme de peu de mots. T'es en train de dire que je suis censé... Que je suis en capacité de les fabriquer moi-même, les crafter? Alors, la réponse est non, hein, normalement. Un cristal tempête, ça se récolte. À moins que ça ait changé en l'espace de 6 mois. Sur des planètes activées. Ah voilà, d'accord, c'est pour les planètes que tu me dis ça, d'accord. Ah d'accord, ça y est, j'ai capté. Excuse-moi, hein, moi j'ai que deux neurones. Hein. Un pour les fonctions vitales et un pour diriger mon personnage. Donc, mais merci, ok.
Donc il faut que je trouve des planètes où le cuivre activé est signifié sur la fiche de la planète quoi. Cuivre activé, je sais plus ce que tu m'as dit juste avant. Indium activé aussi, d'accord. Bah merci mec, t'es trop gentil. Allez, je vais essayer de trouver un autre spot de cristaux de sulfure. Hein, ou à moins que je vérifie combien il m'en fallait exactement. C'était sur le cargo. Il m'en fallait 3, c'est bon, je les ai. Maintenant, il me faut juste un cristal tempête pour faire un hyper noyau. C'est ça. Mais écoute, Cassos alors. Le vaisseau il est là, je crois. T'as ces formations rocheuses hyper plates là, qui forment des belles tranches. Ça me plaît trop. Alors, est-ce que cette planète elle est comme celle que tu prétends que tu dis là? Cuivre activé, indium activé. Là, je suis sur Eotis. Voilà. Chair de cactus, cuivre pyrite, non. Cuivre uranium saut, non. Bulbe d'étoile, cuivre, non. activé pareil. Ouais. Ouais, en fait, c'est dans. Si je dis pas de conneries, c'est des systèmes spéciaux, ça. Où on trouve ça. Genre, peut-être système jaune ou une connerie comme ça. Là, je pense pas que je dois être dans le bon système pour le coup. Ça serait signifié, non, sur la fiche. Pyrite, oxygène, farming, mort. Après, il y a peut-être des types qui ont laissé ça chez eux, mais bon. Jamais sur une tropicale. Jamais sur une tropicale, ouais. Mais ça serait signifié sur la fiche, hein, c'est ça? Ça serait écrit cuivre activé, hein, oui, il me semble bien. Je pense que je vais devoir changer de système. Ouais, je pense. Pas besoin de prendre le cargo pour le coup. Pas forme de vie. Exploration libre. Oui. On va passer en forme de vie. Alors. De toute façon, je vais pas avoir beaucoup le choix parce que j'ai pas installé beaucoup de systèmes de propulsion, d'hyperpropulsion. J'en ai un ou deux, je crois. Donc j'ai pas le choix. Là, c'est à l'indium. Ah, je l'ai pas l'indium, tu vois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Le cadmium activé aussi. Indium, j'ai pas. En fait, je crois que je vais pas avoir le bon émeril, j'ai pas. Cadmium, émeril, j'ai pas. Il me reste que l'indium. Non, c'est le cadmium que j'ai. J'ai que le cadmium en fait. Alors du coup, je peux sauter à l'aveugle là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'en sautant sur un autre système, je vais avoir plus de chances d'avoir du cadmium activé. C'est quoi le meilleur move là? Est-ce que je tente de trouver un cristal tempête à un marchand? Ou à un pilote? Ce serait peut-être pas con ça. Pourquoi j'ai pas les infos là? J'ai rien installé ou quoi sur mon vaisseau? Il n'y a que le cargo qui me donne les infos. En plus, faut que je me déplace en cargo si je veux profiter des technos d'hyperpropulsion parce que je suis en train de me dire que sur le. Eh oui, c'est ça. Sur le vaisseau, j'ai rien installé. Alors, il est où mon cargo? Quoi, je suis venu sans? Si tu peux me donner l'info de quel système.
Ouais, bah en fait tous, je sais pas. Je sais pas où c'est qu'on trouve du cadmium ou quoi. Activé. Je vais le faire popper le cargo. Système rouge. Système rouge, ouais, c'est ce que je pensais. Merci, Sasa. Bah, les systèmes rouges, c'est là où je suis, hein, donc c'est ça, il faut que je change juste de système. Parce que je crois bien que je suis dans un rouge, hein. C'est le seul auquel j'ai accès. Et ici, apparemment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de planète à cadmium activée, tout ça. Système rouge, quand on se met en forme de vie, c'est ça? Non, forme de vie, c'est pas bon. Pas de filtre, économie, conflit, forme de vie. Ah, c'est en pas de filtre, non? Ouais, mais en pas de filtre, j'y vois rien. Sans filtre. Sans filtre? Eh ouais, c'est ça. On n'y voit rien dans ce mode-là. C'est chiant. Après, on peut deviner quand même. Et alors, j'étais sur un jaune, moi. D'accord. Il siffle. Ouais. J'essaye d'être sûr de la couleur. C'est pas facile. Ça, là, je suis sûr. Hein. C'est bien un système rouge. C'est juste à côté. Bon, allez, ça coûte rien, un petit saut. On va voir ça. Allez, let's go le vaisseau. Ouais, vite. Ah, quoique. Attends, 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 attends. Eh non, pas let's go le vaisseau. Pas besoin de se déplacer avec la superbe technologie qu'on a installée là-bas. D'ailleurs, je sauvegarde. Qui s'appelle le scanner terminal de commerce galactique? Non, pas du tout. Sauf si tu me vends un cristal trempette. Non, alors c'est pas là, c'est à droite. Oh bordel. Alors, la sonde planétaire. Oh, Daito. Découvert par Dolphin. Dolphin, il a fait tous les systèmes du coin. Voilà, là. Alors, cadmium, 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 cadmium et cadmium. Il n'y a pas de cadmium activé, hein. Bon, planète fragmentée, balayée par le vent, avec chair de cactus, voilà, ça me parle bien ça. Destruction bouillonnante, pourquoi pas. Rompue par les feux, pourquoi pas non plus. Daito, elle m'a bien plu en direct, hein, c'est tout à fait mes couleurs, j'adore le blaze. Allez, je vais me tenter un petit. Une petite virée sur Daito. Même si je crève la dalle. Hop là. Let's go! Qu'est-ce qui se passe, l'ami? Tu veux commercer? Eh ouais. Ah non, quoi, t'es en galère? Oh. Oh mec, si tu savais comme j'ai pas que ça à faire. Non, c'est à l'opposé, Daito. Évidemment, c'est la planète cachée derrière, sinon c'est pas drôle. Voilà, et de Nietzsche. Voilà, je suis où là? Boudma, ouais, donc je suis à peu près là, donc Daito doit être juste à côté. Donc ça doit être celle-là. Non? Ça ressemble pas. Hein. Mais non, là je suis face à Ruminion. Donc en fait je dois être vers là. D'accord, donc Daito doit être
derrière moi là-haut, non? Mais c'est pas elle pourtant. Non, je me suis retourné vers où là? Ah bah si pourtant. Elle est où cette saloperie? C'est elle? Ah d'accord. Cadmium activé. Eh ben c'était pas écrit. Putain. C'était pas écrit dans le système du cargo. Saloperie. Voilà. Alors le cristal tempête, on peut le repérer déjà, même quand il n'est pas actif. Pour l'instant, j'en vois pas. Mauvaise intuition là. J'ai pas l'impression d'en voir. Hein. Ça aurait été trop beau pour être vrai, ces conneries. On va se poser. Les sentinelles attaquent à vue. Après, les cristaux tempêtes, on les voit pas forcément, ils sont pas cher de cactus, pas sûr qu'il y a des cristaux tempêtes. Ouais, t'as un doute? C'est un tempête de feu. Alors on va voir s'il y a ça, les cristaux. Est-ce que ah c'est rigolo, géologie façonnée par les géants. Quoi? Ramasser cristal de sulfure auprès des cavités océaniques, oui. Hyper noyau distorsion. Tu vois qu'ils vont pas parler de ce dont j'ai besoin, non? Tiens, sans déconner. Fabriquer hyper noyau de distorsion avec de l'antimatière, un contenant d'antimatière. Quoi? C'est tout? Antimatière, contenant d'antimatière? Mais non, il me faut. Il se fout de ma gueule. Cobalt ionisé, ouais, bon, bref. Non, il se fout de ma gueule. Me dis pas que je peux en fabriquer un et que je me suis planté. Me dis pas ça, le jeu. Hyper noyau à distorsion. C'est bien ça qu'il me faut au bordel. Hyper noyau à distorsion, oui. Alors qu'est-ce que tu me dis toi, antimatière? N'importe quoi, même dans leur descriptif de mission, ils sont pas capables de... Planète radioactive, souvent ça fonctionne, ou planète feu. Radioactif ou feu, bah tu vois, je suis sur feu là. Donc on est pas mal. Orbe de Gravitino, ouais mais c'est les orbes, je suis con, c'est ça qu'il faut regarder je crois. Ce sont les marqueurs jaunes et c'est une planète à orbe de Gravitino, ouais donc ça va pas le faire. Malgré la tempête. Non, ça va pas le faire du tout. Ouais, il va falloir que je change de planète. Merci Sasa. Et ouais, orbe de Gravitino, c'est mort. Ouais, c'est pas ça. Il m'en aurait marqué un de cristal là, je pense.
Ouais, on va tenter l'autre là, Réménénium, Réméné G5. Elle est où? Est-ce que c'est celle-là? Non, normalement. Donc non. Putain, il y en a une mini verte là. Elle me plaît bien celle-là, mais bon, je peux pas y aller. Réménénium, G5. C'est ça là, non? C'est ça. Réménium G5. Rompu par les feux. On va voir ça. Et qu'est-ce que tu m'avais dit alors? Radioactive, ouais. Contaminé, ouais, ça pourrait le faire, ouais. C'est la lune, c'est la petite lune. Fragmenté. Allez, on va tenter Ruminion. Ah, je suis content, je crois, de ma miniature. Ça le ressemble à celle de la précédente XP, tout en étant un peu différente. J'aime bien. Non, vous m'avez saoulé avec vos anomalies, là. Allez. Ça dégage. Rien à foutre. Oh, ça sent le cristal, ça. Oh, ça sent le cristal tempête, ça. Le volcan, c'est sûr, mais le cristal tempête aussi. Oh, que oui. Ah, je suis pas garé en biais, ça me plaît bien. Alors. C'est quoi les bébêtes là? Oh, les petits pochons! Ah, bien envie de me faire une croquette là. Bim. Ah, j'ai loupé, putain. Ah, je vais pas y arriver, enfoiré. J'en avais un à l'époque de petit pochon. Je l'aimais bien. Celui-là, il est fluorescent rose-orange, il est beau. Allez, rapproche-toi, saloperie. Un peu loin, mais ça se tente, hein. Ah, j'ai loupé le mêlée. Ah, c'est mort. J'ai loupé le mêlée. Aïe. Oh putain, je suis pas bien. Faut que j'arrête de déconner là. Ah, mais ils sont là, les pochons. Aïe aïe aïe. Te loupe pas. Te loupe pas, connard. Ouais. Ils sont pas loin, les pochons. Vite le bouclier. Allez, remonte. Saloperie. Ah, voilà. Allez. Ah putain, ils sont en face. Allez, viens la saloperie. Oui. Mais t'es à moi, toi, maintenant. Cornizzo. Tiens, je te mets bien, mon gars. Allez, on est parti. Qu'à attendre la tempête. Après, faut qu'il y en ait. Hein.
Meilleur move hein, pour faire du scan, vous aurez jamais mieux qu'un petit potion. Hein. Ah, j'ai loupé. Ah, j'ai loupé. Ah, je les loupe tous parce que j'y crois pas quand j'appuie sur la touche. Hop là. Alors, vous avez déjà eu mieux pour faire du scan? C'est vraiment The Love Boat, quoi. La croisière. La croisière s'amuse. Allez, faut me lâcher une tempête là. Hein. Quand on cherche un truc précis sur NMS, on trouve pas. Oui, et ça prouve que t'as suffisamment d'heures pour avoir pour avoir souffert. Oui, sûr. Ce qui sous-entend qu'on ne trouve jamais ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Après, en vrai, les cristaux, j'en ai déjà trouvé quand même, même quand j'en cherchais. Il est superbe ce petit potion. Bah, toujours plus poisson de merde. Je vais le. Pff, je le fais pour rien, mais je pensais coordonner au cas où. Il est beau, il est luminescent rouge. Bon, vas-y, ça. Tu pop la tempête là? Allô, je suis là, là, sur ta planète. Vas-y, fais-moi du mal le jeu. Fais péter, je suis prêt. Enfin, j'espère que c'est bien une planète à tempête. Hein. Normalement, oui. Hein. Je crois même que les cristaux de tempête, ils sont dans ce genre de formation là. Mais plus petite. Je m'amuse à scanner, je l'ai pas fait depuis des heures et des heures. J'adore ça, scanner, engendrer de la thune. Y a pas un petit caillou magique là? Tiens. Ah, il me suit mon petit potion. Vas-y, je vais creuser la planète. Je sais qu'il adore ça, le jeu. Ça va peut-être déclencher une tempête instante. Regarde le jeu. Je suis ici, là, sur cette planète. Voilà, et tu dois me punir de faire des choses, comme les sentinelles le feraient. Allez. Je suis en train de détruire la Réunion, là. Qu'est-ce que tu fais, le jeu? Tu m'envoies une tempête, non? Panache de feu, planète rompue par les feux, c'est assez explicite, il me semble bien, hein. Rompu par les feux. Quoi? Oui. Tiens, câlin. Mais laisse-moi récolter mon sodium. J'adore ça. Merci. Tiens, saloperie. Ah, il est vraiment trop beau. Hein. Rose orangé, magnifique. Tiens, saloperie.
Bon, cette tempête là. Ok, j'ai compris. C'est la dernière planète qui me tente bien dans ce système. Sinon après il faudra encore changer. Ouais, je me positionne catastrophe. Je vais aller faire une pause et normalement, je dis bien normalement, je reviens. Je reviens et j'en finis avec cet XP. Allez. Sacha, je te fais des bisous si tu reviens pas et si on n'arrive pas à se recapter. Je te remercie d'être venu et pour tes conseils. Et pour les autres, et ben merci à vous aussi d'être venu. Ah, soutien, il est encore là. Les amis, je vous fais des bisous et si je vous revois pas, bonne soirée.